Avec un pile tristesse, Ifemi Saint-Hilaire, alias Stéphanie, a expliqué dans le micro Mac Gerson Philistin comment il perdit bébé qui était dans votre lien qui était seulement 24 semaines. Incident ça arrivé après que Peterson te fin monté sous antenne RTVC dénoncé comme moun qui volait $2,500 américains ensemble avec passeport. Rassemblement national madame Sarah ak paysan Raman Sap contre l'idée pour gouvernement a élargi accord 21 décembre yoté sien. Melita Pierre, présidente association sa, mande chef gouvernement pour le pencher sous différents problèmes population a fait face parce que pays a pas qu'attendre encore. Responsable dans l'autre, l'état haïtien dénonce zak malversation ak intimidation employé yo. Pas suspend sibi en bas mes dirigeants association nationale temancier bolet yo. Membre AMTB yo prend plaisir, ramasser l'argent dans mes propriétaires banque bolette sous nos l'état haïtien alors que l'argent yo c'est affaire pas yo à régler, li pas arrivé dans caisse l'état. Ancien sénateur Youri La Tortue qualifié de persécution politique. Ordonnance, juge Martel, Jean-Claude, mettait d'ailleurs et exigeait arrestation pour détournement fonds publics. Une décision qui illégal, qui contrait avec la loi, selon sa sénateur Youri déclaré dans la presse. Fondation J'éclairé dénonce décision pour transférer plusieurs policiers qui tapent assurer sécurité divers juges dans juridiction Gonaïve là. C'est une menace pour la vie juge yo cap bataille contre grand banditis dans cité l'indépendance là, d'après F. Chikayel qui mandé autorité yo dans département Latibonite pour yo capable retourner sous décision yo. Mesdames, mademoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal tout haïtien connecté. Foucault Zami InfoPao et Sévère qui a présenté édition ça. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennuie. Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou ak patience. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Zami Pao Foucault. C'est avec un pile tristesse, chagrin, peuple haïtien, eh bien, Ifemi Saint-Hilaire, alias Stéphanie, t'a expliqué, nan micro Mac Gerson Philistin, comment li perdit bébé qui était dans votre lit, qui était gen seulement 24 semaines. Et si dans sa arrivée, après elle te fin recevoir nouvelle, côté Peterson te monté sous antenne RTVC, dénoncé le comme moun qui volait $2,500 américains pour lui, ensemble avec un passeport. Pour plus de détails, on nous suit ensemble. Pour l'hôpital, ça passe. Depuis que je suis sorti, fait déclaration dans les médias, et puis je devine arriver par sentir si mon nom bouge dans votre et puis je vois si mon nom pas bougé, du moment qu'il est pas bougé, dans le même jour, dans vendredi, je pense que lundi, dans samedi, il a bougé, et puis samedi, il pas bougé. Dimanche, je ne pas bouger lundi. Quand on a la mardi, je suis obligé à faire une sonographie. La sonographie est arrivée et je suis mort et je suis mort. Wow! Ouh! Bagay yo compliqué, ou peut pas ici. Donc, il y a des gens qui disent oui, élément fou. Non, pas fou. Parce que, tenez bien, peut pas ici. Pour moi, ton film comme ça, tout le monde a pris pitié pour vous. Pour moi, ton film comme ça. Film, non, c'est pas un film qui pitié. Ça, on doit. Non, monsieur, plus que tête droite. Si dirige, on a monté quelques coups comme ça, pays a sauvé, oui. Est-ce qu'on comprend? Donc, pour sortir, mi balai, ou rentrer Port-au-Prince, ou ranger malais tout. Ou pren katab ou met en bas bras ou jouer non chauffeur moto ou passer ou dormir dans hôtel. Est-ce qu'on comprend comment il chita, hein, il prend sang, il prend temps pour le monter un bagage comme ça.
Tendez bien. Ou prend ça ou prend ton pour monter en plan comme ça. Il baille chauffeur rendez-vous maintenant qu'il est pour venir chercher. Et puis mettez ti figil bien fait en coup égaré. Nan demain matin chauffeur pas même rentrer dans hôtel. Chauffeur a joint ni dehors. Tellement le compte ça l'a réglé. Parce que si chauffeur moto a tant rendez quand même des questions t'a posé. Mais si m'vin croise ensemble avoir dehors, est-ce que gen question k'a posé? Non, pas gen question k'a posé. Rapidement, qui côté le prend direction? Direction Caraïbes. Prend direction Caraïbes, frères et sœurs bien-aimés. L'est arrivé, tout le monde a pris pitié pour lui. Oui, il prend passeport parce que nous connaissons pendant dernier moment yo là, dossier parti dans pays d'Haïti. C'est pour une histoire qui pitié. Nous connaissons sa parti vle di pour yon moun nan pays d'Haïti. Nous connaissons sa passeport vle di pour yon moun nan pays d'Haïti nan moment m'a parlé ensemble avec ou la. Tout moun pran pitié pou li. Donc imaginez jeune femme ça. Jou misye te fin fè déclaration, soit elle te rete nan quartier ou bien elle te nan Port-au-Prince. Yo te bal bwa kale déjà. Bon, pièce moun pat konne si demoiselle la enceinte, l'elle devine faire première déclaration. Donc, demoiselle la qui pral courir sorti dans le pays, rentre Port-au-Prince pour venir, pour venir démentir sa jeune garçon en dit. Parce que pour tout réseau honnête, hein? Pour tout Haïti plus international là son seul cause qu'a parlé dans journée et Stéphanie et photo commencé garder non publié Stéphanie c'est non ça qu'a factualité tout monde focus sur dossier Stéphanie ça qu'a fait live ça qu'a demandé et Stéphanie porter passeport mettre kembe l'argent et monsieur même aller plus loin il faut comprendre que Liv, t'as bay demoiselle la 500, t'as pral avec 2000 dollars. Et pourtant, le bagon clou nan de elle. Fait tout le monde. Quoi ça veut dire? Ou prend son, prend ton pour mon ton menti comme ça. Et puis, kounya la, l'autre la enceinte lui-même. Kounya vous, puis pas y prend nouvelle là. Ablie, si moun ki nan votre client bi faible. S'entende ya. La le réagit sous lui, et puis, voilà. Voilà. Donc, mes côtés ont menti mené nous. Menti à la cause un bébé qui va même qu'on est en rien dans cause moun qui poko quelle est victime à la traque papa comment est-ce qu'il y a une douleur comment ça oui il y a une douleur en bas va moi qui a fait mal oui ça a touché mon père parce que on paraît que moi pas reconnaître et puis pour tellement grave il est arrivé faire perdre petit moun là sans avoir que me pas connait rien dans ça qui a passé moi qui avait dans et maman. Après ça, je n'ai pas géré encore. Après ça, le docteur qui était là, qui accompagne. J'ai un bien pour me jouer un bon support. Parce que si on a un bon support, il faut que je joue un support qui peut aider moi là pour le moment. Parce que ce n'est pas ton bagage que je me dépare pour lui. À la traque pour la vie qui a été papa dans le pays ici. Là. Donc, je suis matin, qui vient avec une échographie de mon confrère. Qui parlait d'un mort fœtal et nous c'est à dire si nous avons mouru dans votre lit à 24 semaines. Qui donc, comme c'est un dossier qui a fait la une, maintenant nous recevons le compte du patient, nous réévaluons, nous faisons sonographie pour lui. Maintenant, qui veut que le bébé n'a pas battu, et il y a une absence de cœur bébé et puis le bébé a décidé, le bébé a filé en quelque sorte. Mais nous avons dans votre lit toujours. Maintenant, comme il y a comme le montable comme ça, maintenant il y a plusieurs procédures nous fait, maintenant pour nous faire maintenant évacuer. D'abord, c'est induction. Alors, on fait bilan pour lui, examen sans vous garder. Est-ce que c'est correct? Quantité de grammes sans que vous gagnez? Est-ce que le test de coagulation pour garder? Est-ce que c'est encore? Si après fin d'accouche, j'arrive à 5 ans. Maintenant, si tout bilan est fini, ok. Maintenant, on va rentrer dans la salle. On va faire ça avec une induction pour lui. On va faire les médicaments. Commencer à trancher, détrancher, trancher. On va faire l'expulser bébé. Dans le cas que le PACA. Nous avons échec à l'induction, ou bien pas qu'à ta pousser. Si nous avons passé par deuxième phase, qui c'est une section césarienne, pour nous retirer, si nous avons.
Est-ce que c'est petit bébé jeudi a un rapport avec un scandale qui a gagné récemment? Dans la littérature, je n'ai pas vraiment défini mon corrélation directe entre choc émotionnel et cause de mort fœtale. Maintenant, il y a un tableau qui dit que le mort fœtale comprend l'idiopathie, il n'y a pas vraiment de cause. Compte tenu que dans un scandale public avec jeune homme, maintenant, nous n'avons pas accueilli à accueillir comme dit ce scandale en soi qui fait le bébé enfilé. Parce que dans l'histoire, nous disons que depuis 11 ans vendredi, nous commençons à une diminution de mouvement fœtal. Maintenant, il y a une cause qu'on fait que Timon mourit dans la et maman. À la traque pour la vécaïté dans le pays ici. Là. Donc, en tout cas, mes amis, il est très très important pour que, avant même ou choisir de yon bagay sou yon moun, pour que nous informer. Pas oublier, si que c'est dans vendredi, li senti Timon n'a pas bat, et information, et puis personne de monte dans la radio dans jeudi, li même li vini nan vendredi. Donc Peterson en bas code nan samedi au transféré. Donc en ce sens, nous espérons demoiselle là et bien fait tout effort que le capable pour que li capable retourner nan normal. Fonds national organisation résistance pour yon Haïti stable ak démocratique annoncé des journées mobilisation 6 7 juillet nan occasion commémoration 2e anniversaire assassinat ancien président Jovenel Moïse nan Port-au-Prince ensemble avec nan ville au Cap haïtien. Mouvement sa yo c'est pour mobilisation sa yo a déroulé d'après responsable strictia qui c'est Rosemont Jean. Donc, fait qu'on est à gagner une veillée patriotique dans la nuit 6 pour ouvrir 7 dans Pèlerin. Pour plus de détails, en nous tendez dans Mikotak 609. Maintenant, nous là pour nous annoncer ensemble d'activités que nous avons organisées de Port-au-Prince au Caï, non, au Cap-Haïtien. Dans le Cap-Haïtien, nous avons gagné une coquine chaîne d'activités qui a commencé devant parquet au Cap-Haïtien. Et qui a fait toute ville là, bien messe, a bien manifestation pacifique dans le cadre de la commémoration deuxième année assassinat Jovenel Moïse. Qui a vint bout devant cité, devant espace ça, côté président Jovenel, qui a fait, qui a réalisé qu'aucune chaîne compagnie électrique, c'est Saint-Hélène, c'est ça? Saint-Philomène. Manifestation à Benbout, Saint-Philomène. Il y a des gens qui disposent, qui sont capables d'aller dans le mausolée, capables d'aller déposer Jeb de Flair, mais nous plus concentrer dans la deuxième commémoration sous béton, dans la rue, par rapport à la situation de misère, grand goût, insécurité, qui a prolongé le pays depuis après 2 ans, assassinat de Jovenel Moïse. Mais je te dis, Jovenel Moïse n'est pas capable. Je te dis, vous même capable. Je te dis, après le mort Jovenel, vous même non seulement vous établi démocratie, vous fait justice marcher. Je te dis, nous tout le côté nous garde. Je te dis, et automatiquement, Jovenel allait, et madame ça, comment, non, pas madame, Steven Benoît. Je te dis, automatiquement, Jovenel allait, kidnapping a fini. Je te dis, nous tout constater, 2 ans après le départ Jovenel, c'est comme si la cour a tourné, il y a un espace. Côté tout nèg k'ap rentre dans la cour, c'est ventilateur nan kayla, met kayla mouri. Met kayla mouri. Moun k'ap passé ki ta soi-disant di, yo ta héritier kayla, yo ta héritier la cour, c'était bien côté mal calculé, c'est un paquet de voleurs. Yo rentre, yo prend vite ki nan kayla, yo rentre, yo prend moteur machine, ouais pour machine nan campé. Et yo coupé banane, yo volé mi, yo crasé mi, yo volé, yo levé céramique et puis ouais kayla son kay abandonné, c'est ça. À la traque papa. Responsable mouvement visionnaire patriotique idéal Marcel Sorel qui t'a présenté calendrier activité yo fait qu'on est abgé plusieurs cérémonies exposition photo président plusieurs partisans ancien président à présent dans activité ça tant coup ancien ministre travail là Joiseus Nader d'après militant politique là qui fait qu'on est mouvement mobilisation ça a démarré sous la ligne dans quelques capitales haïtiennes passé dans quelques zones dans région métropolitaine là pour Albout sous champ de masse dans l'idée pour tout secteur pour te coller pour réussite activité ça en écouter
Sorel Namiko Tax 609. Nous baptisons commémoration ça Union nationale. Rassemblement fait en bas lumière rouge la rue. N'a monté sous boudon. Les nous arrivons devant planification. N'a bien France Giro qui pourra faire une déclaration devant planification. Après ça, n'a continué. N'a monté boudon droite. Les nous arrivons devant primature. N'a bien une exposition photo président. Nous avons une cérémonie. N'a fait. Et les ça, nous avons gagné Amaral Massé qui dirige Colim qui a gagné pour faire une déclaration. N'a continué à monter Pétionville. Les nous arrivons, n'a viré Bois-Monchis, viré Saint-Thérèse, descendre Juvena. Les nous arrivons Juvena, n'a bien une deuxième exposition photo président encore. N'a qu'à fou pour entrer Bobby Robinian. C'est pour moi-même, et pour tout Pam, moi-même Marseille Sorel, qui va faire une déclaration et n'a fait une cérémonie. N'a descendu droite, n'a descendu canapé vert. Les nous arrivons devant le commissariat canapé vert, nous avons une cérémonie spéciale, mais qui a une surprise. Nous pas qu'à dévoiler là. Après ça, n'a pas direction tête droite. Les nous arrivons devant parquet, nous n'a bien madame Jésus là qui a dirigé organisation au film qui va faire une déclaration. Après ça tête droite, nous pral dans pied papa nation côté qui a bien une grande exposition photo président, a bien parade, a bien une grande activité n'a fait côté que c'est ministre Nader qui va faire déclaration finale là. Voilà, donc c'est ensemble de activités sa yo kap gen pour dérouler nan jou kap 5 juillet pour commémorer deuxième année anniversaire assassinat président Jovenel Moïse. Responsable divers partis politiques nan pays a dénoncé phénomène insécurité a qui pas suspend fait victime nan mitan population. Yo dénoncé en même temps tout décision gouvernement en place la prend pour former KEP pour al organiser élection au lieu yo résoudre crise là, yon reportage ensemble avec Kimberly Wagnack. De l'année après l'assassinat 58e président République la Jovenel Moïse, conditions difficiles pays d'Haïti pas changé. Au contraire, problème grand goût, chômage, la misère, kidnapping et insécurité a augmenté chaque jour gamet la créer. Situation ça yo inquiété moun ki plus vulnérable yo et même parti politique yo. N'a mandé yo, madame Emily Prophète, parce que passer instruction formelle à toutes les institutions de prendre leurs responsabilités avec les moyens qu'ils ont à leur disposition pour résoudre le problème de l'insécurité. C'est problème de sécurité ça qui va nous massacrer dans l'air, qui va nous massacrer Caroufeuille, massacre Cité Soleil et massacre Delma 32. Car sans la justice, la nation est sujet à la disparition. Phénomène Bois-Caléa, c'est un révélateur de manque de confiance que la population a gagné dans le système judiciaire. Le système judiciaire, j'en lié à pas qu'à répondre à phénomène criminalité, à un type de criminalité que nous avons connu. Même insécurité ça a paralysé presque chaque semaine classio. Professeur et directeur l'école pour mauvais la vie a parti quitter pays pour aller chercher plus bon moyen pour fonctionner l'autre bord de l'eau. Alors que, si moun yo qui vient prendre ou soper l'instruction, pas qu'à joindre les gens à doit faire. Pas d'autorité, pas bon ici, abdi, la jeunesse est avenir pays a. Yon jeunesse depuis un bon bout de temps qui pas qu'à passer un mois en caisse sous l'école. Mais en pile, nan yo jeune plus moyen pour passer tant l'école yo sous place publique. Mais en pays, côté l'État dit la travail pour peuple. L'en considéré, si moun yo c'est avenir pays d'Haïti, au DEPCP, remarquer l'État haïtien pas fait rien pour faciliter Timoun Sayo retourner l'école. Alors que, yon l'autre bord, ministère éducation nationale a gagoté l'argent, marché loué local bien cher dans tout pays. Politique ça rend en pile Timoun qui dans zone défavorisée yo pas qu'à l'école. Ça oblige yo entrer dans zak malveillant dans la société haïtienne. Nous avons un gros bail qui a saccagé nous, c'est pour problème insécurité à impact sur le système éducatif là. Et qu'on a question migratoire, question professeur Pralé en pays qui te pays, nous trouvons que c'est avenir pays même qui menace. Une période côté insécurité champion sur tout besoin population. Gouvernement en place là prend décision pour former conseil électoral provisoire comme quoi il pourrait organiser élection pour renouveler personnel politique là. Réalisation élection pressée y a prôné y a qui pas gagné ni date ni jour. Gagné des secteurs ou pas main. Classe étudiante non sortie de crise pays, yo doit consulter université autour. Nous mandé on l'autre démarche, on l'autre dialogue, faut qu'on l'autre alternative politique. Là nous penser si moun sa yo consulter yo clair à tête yo, y a là dans ça que nié dans insécurité que nié là
pas capable de gagner l'élection. PM là, puisque 2024, parce que quand on te prend ta permis de PM, il faut nous tirer le temps ça. Parce que là, on permet de PM, ça vient longue. PM là, prend un petit temps pour réfléchir. Population haïtienne, là, bouquet crié inutile, là, puis l'État pour améliorer les conditions de la vie. C'est ça qui t'a accouché le mouvement Bois Kalea, côté plusieurs dizaines de bandits déjà subi peine dans divers coins pays. Malgré ça, puissance bandit n'a pas jamais baissé. Zakyo a multiplié, c'est comme si les exam ça y a donné ta coup de jonjon. Yo kidnappé, touye moun, violé femme actifi dans toute tranche l'âge. Situation ça pas suspend mettre de l'eau dans jet tout moun. Pendant rencontre a fait dans toute quatre coins monde là sous problème pays d'Haïti. Question qu'a posé côté conscience dirigeant yo yé qui fait jusqu'à présent rien pas jamais qu'a fait ni dit de manière concrète pour pays d'Haïti. Kimberley Wanyak, TAC 509. Merci Kimberley. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, gen porte-parole regroupement politique Cap Défend Haïti yo, Hilaire Prophète exige application accord 21 décembre nan, après chef gouvernement saute participer dans 45e sommet ensemble avec chef l'État CARICOM yo. Hilaire Prophète koué c'est une nécessité pour gen stabilité en dedans pays ya. Prophète, t'es dans micro TAC 509. Nous venons voir de pinga par les politiciens compradors, par les politiciens mafieux, parce que nous-mêmes, je dis à qui sous table, c'est nous-mêmes qui représentons l'agenda population dans le cadre accord 21 décembre 2022. Je dis à nous sous table, c'est accord 21 décembre 2022 à nous demander d'appliquer en long et en large. Allons pays ça papa. Non, tellement remé pays. Encore nous vinn mande appliquer. Avait dit là, pourquoi j'aime comprendre. Donc c'est moi pour demander appliquer parce que si c'est moi qui participe, m'ta dit appliquer pour moi. Avait dit pour même monde qui te signé a demandé appliquer. Donc qui est-ce qui va l'appliquer là? Nous avons quelques jours, nous attendons différents types de voix que nous allons attendre là. Mais je dis à nous dit, moment arrivé pour voir ça faire paraître dans l'opinion publique, politique. Et ça fait. Nous avons demandé PM Ariel Henry pour le mettre tête en place. Ok, tête libre en place. Tête PM n'a pas place. Ok, je comprends. Pour mettre tête li en place pour faire qui ça? Tête fouet. OK. Parce que jodi an nou en tête li chaud, l'excité le sous choc. Vivre un pays qui pa gen ni manifestation encore. Ah bon. Qui pa gen ni activité subversive encore. Mais ça fait tête li chaud là. Mais ça fait PM nan pa ka travail la même. Ça fait le pa ka appliquer à quoi? Pas de manifestation. Hein? Pas de lock. Tout va bien dans le pays. Mais ça fait le pas qu'à appliquer à la. Ah bon. L'assassinat Jovenel Moïse. Voilà, papa ici. Nous presque livrer un pays tête frette dans l'ordre, dans la discipline aïe, et aïe. Dans la concorde. Ça. Et ça fait. Nous-mêmes, en dans RPDH, qui se signateur accord 21 décembre 2022, nous venons dire PM Ariel Henry, je dis à un cadre de remaniement ministériel qu'a fait en long et en large. Parce que nous connaissons la collectivité obrale écartée, ça veut dire magistrat intérimaire. Nous connaissons ministre obrale écartée. Nous connaissons secrétaire d'État obrale écartée. Ça veut dire nous connaissons mission diplomatique obrale écartée. Nous connaissons service consulaire obrale écartée. Ça veut dire un cadre de remaniement global, total capital qui est pour faire là. N'a dit accord 21 décembre de appliquer en long et en large. Et dans ce sens, m'pap trop. Pour me dire, je dis à un petit bonhomme, nek nan dor, yo rele Amos Zéphirin, qui prend contrôle ministère intérieur à collectivité territoriale comme jardin papal, jardin maman, pas konn. Et ça fait, comme Zamian a marché dans tout quatre coins pays, lui-même avec Moïse Jean-Charles, c'est poisson grasé dans bouillon. Parce que tout ça Zamian a fait, lui dit le faire sous les belles. Ancien sénateur qui c'est Moïse Jean-Charles. Comme tout le monde connaît Moïse Jean-Charles, c'est un église là, il va là. Et dans le cadre de remaniement ministériel là, il y a de gros pression pour yo kembe Amos Zéphirin dans le ministère et pour yo arriver avec le plus haut niveau
comme numéro un ministère, ça veut dire ministre. À la traque pour la vécaïté. C'est volant, papa, ici, cap veille volant. This is my country, you understand me? Rassemblement national, madame Sarah ak paysan. Ranam sap. Kont tout l'idée pour gouvernement ta élargi à 21 décembre, yote si, pas gen bagay kon, pas gen élargi, s'il vous plaît. Au contraire, n'ap fermé plus. Melita Pierre, présidente association, si la, estime population, pas gen temps encore pour le pédi. C'est pour chef gouvernement prendre toute disposition nécessaire pour soulager population qui a fait face ensemble avec toute qualité problème si tout madame Sarah ak paysan yo kap monter le ciel pado. Yon reportage ensemble avec Kimberly Wagner. C'est créé en catégorie femmes et garçons qui regroupe une structure qui porte nom Rassemblement National Madame Sarah et Paysan. Madame Sarah a plein à cause de paroles qui sont pour adresser encore. Depuis après, Bandi a gros âme fin de fois, te prend plaisir à marcher public en otage. Parmi eux, quoi de Bossal et marcher Hippolyte, ça qui limite l'activité. Nous, même Madame Sap, nous encourager pour nous continuer à défendre Madame Sarah qui passe suspend chita dans la boue. Qui pas suspend prend cette fatra à paysan nou yo qui continue à voyer roche dans la mer à cause récolte yo cap gaspiller pour question route qui bloqué. Madame Sarah yo qui joue un gros rôle dans société ak nan famille yo estime yo pa gen aucune porte pour frapper encore. Cependant, yo croit nan force courageux pour continuer bataille avec la vie. Mais pour ça arriver fait, yo souhaité gros autobré dans le pays d'Haïti, travail pour mettre un climat la paix dans toute zone. Même Jean Belé ak cité soleil commencé fait ça, comme ça toute activité a reprendre normalement en dans pays a. Depuis 21 décembre, nous signons un accord, nous dit que nous besoin d'une solution dans pays a. Nous tout te regrouper nous. Là nous vinn garder, nous wè que regrouper nous te vinn regrouper nous, c'est ton lave monsieur à terre. Pendant que l'école ouvri, malheureusement pas contre si pour si pour descendre. Si machin n'a pas de commerce dans la rue, nous pas j'oublier si moun sa yo kap vivre sans espoir. Tant kou yon machine sans frein. Rêve nous, c'est pas vin plein poche, servi pays pour yon la vie meilleure, pour que peuple la content, pour la jeunesse la ka gen espoir. Pays d'Haïti, c'est yon nan kote aucun principe de base pas respecté. Pas de autorité pas bon ici ta prôné changement. Fom aktif yap sauve kite kay yo pour respect loi yo ki viole ak insécurité. N'a mande rapide. Pressé, pressé, si c'est à quoi ça qui pour retirer nous dans sa nouille là, avec insécurité, difficulté, mesdames, y'a pas duré, machin y'a violé, y'a tué, et notre jour là, nous avons madame Sarah qui mourit malement dans le marché. Mais si t'es un pays, ça va la priver. Est-ce que politicien ça on a avantage malheureux? Est-ce que politicien ça on a avantage maman petite? Que nous réunions un mois à l'école pour aller vivre par un goût de nom? Ces mauvaises conditions sa yo qui te mené Rassemblement National Madame Sarah ak paysan rejoignent groupe signataire Akwa Montana yo pour te chita ensemble sous problème pays a et puis accoucher encore 21 décembre nan d'après yo qui te prévoit bon changement dans situation pays a au lieu de un changement réel c'est causé l'élargissement au conseil transition k'ap pale yon l'idée dirigeant Ranam Sap yo voye jete bien loin finalement nous pa konn kote nous pour aller nous dit oui nous te cherche une solution journée jodi yo mande élargie élargie pour faire qui ça yon l'autre accord. Non combien de temps? Et si l'élection pour être nous dans sa nouya? Nous-mêmes, madame Sarah, nous-mêmes, regroupement madame Sarah, cap défendre madame Sarah dans le pays, nous disons non, nous comptons élargissement à quoi 21 décembre. Cloche la sonné pour annoncer libération peuple là, cap vivre depuis un bon bout de temps dans un état très critique. C'est pas moment pour gros point pas bon ici à voyager tribord par bord sous nos pays d'Haïti. Mais plutôt les arriver pour un bon chita par les fêtes en toute couche dans le pays là, pour joindre une solution durable pour tout si malheureux et malheureuse car aller en souffre. Kimberley Wagnac, TAC 509. Merci Kimberley. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, dirigeant force alternative à Cheloise, Wilner René Koué, visite secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, te fait dans le pays d'Haïti, pas de pote rien comme solution dans la crise multidimensionnelle qui a brassé le pays. Mais mes amis, monsieur a venu pour la l'épaule de mes amis. Qui s'en devait le faire? Hein? Monsieur a venu matin là l'après-midi. À la traque, papa, mais son solution dans ma lettre. Dirigeant politique l'a dénoncé hypocrisie l'ONI ensemble avec CARICOM. A fait un dossier pays d'Haïti. Elle fait qu'on essaye un complot au fait contre pays d'Haïti. Pascal Fleuristil, Abdinouplis, sous dossier ça.
Responsable force alternative à Chiloazla, Wilner René, paroué ak yon bonje, dernier visite secrétaire général l'ONIAN, Antonio Guterres, nan peyi a samedi 1er juillet passé. Responsable politique la fait konnen, c'est pas première fois officiel nan communauté internationale la, ap monte descend nan peyi a sans ou pa janm regle anyen ki seriye. Militant politique lan kwe, acteur politique yo gen met yo. Nan sans sa, secrétaire général l'ONIAN, depuis nan siège organisation, li te kapab pran téléphone ni, et pi rele nèg ak fòm ki nan dezòd nan secteur politique. Ak secteur économique là et puis toute bagaille tap entré dans l'autre ploup. Wilner René kwè pour question insécurité ya, si communauté internationale la vle li kabay Haïti yon coup de main parce que balak zam yo c'est l'autre bois sorti pour entrer dans pays ya. Plus loin, ancien candidat pour poste député communal Kaya fait konnen li attaché à question sécurité nationale pour capable gen bon jan élection dans pays ya. En plus, li renouvelé attachement à toute l'autre organisation zami Haïti yo qui vle travail pour ça changer pendant l'ap dénoncé hypocrisie responsable dans CARICOM ak nan l'ONU qui connaît bien ça qui passe dans pays ya, c'est un bagage qui planifié. Dirigeant force alternative à Chiloazla a déclaré pays d'Haïti qu'on fait l'histoire. Li rete quoi ça pas prêter comme ça Haïti pas capable périr. Faut que nous dit opinion partagée sur question visite numéro 1 l'ONU en pays ya. Wilner René quoi c'est climat pays d'Haïti ya, Antonio Guterres te vin exploité. C'est pas en sérieux, li te vin régler pour question crise qui a brassé bil pays. Il y a depuis après la mort Jovenel Moïse, depuis Akaye, Pascal Fleuristil, TAC 509. Merci Pascal. Visite secrétaire général Nations Unies, hein? Antonio Guterres fait dans le pays d'Haïti. Premier JF passé, c'est une façon pour faciliter le groupe gang qui fait alliance entre eux dans l'intérêt communauté internationale. Tout de suite après visite secrétaire général Nations Unies, Premier ministre Ariel Henry a participé dans le 45e sommet chef l'État CARICOM dans le pays Trinidad et Tobago. Série rencontre ça n'a pas porté aucune solution dans le pays d'Haïti. Bon, nous connaissons crise. Crise politique, toutes sortes de crises. Un reportage ensemble avec Adjani Oximable. Dans la date qui était 1er juillet 2023 passé, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a visité le pays d'Haïti dans l'idée pour le gagner. Yon lekti sou situation sociopolitique pays a fait face. Environ deux jours après, Premier ministre Ariel Henry prend bâton pèlerin pour aller participer dans la 45e réunion avec chef l'État CARICOM. Et yon rencontre en plus Sinka Kwe porte-parole au pays là, Daniel Syriac. Maintenant, monsieur rentré à CARICOM dans sommet ça et après visite secrétaire général des Nations Unies en Haïti qui t'est venu porter un message Bali et brièvement qui t'est rencontré avec quelques éléments de la classe politique aussi pour te transmettre un message nous quoi dans trois niveaux. Premièrement, Ariel t'es besoin, c'est Antonio Guterres qui t'est venu dire avec propre bouche Bali ouais pas ouais a bien une force militaire étrangère qui débarque dans le pays dans les prochains jours. Mais Ariel pas souhaité tout que Guterres t'ait insisté sur nécessité pour gagner un consensus qui joigne et sous crise là. Donc ça veut dire pour capable résoudre problèmes politiques et problèmes socio-économiques, problèmes démocratie institutionnelle qui gagne sous question élection qui pas qu'à organiser dans le pays depuis 5 ans. Donc monsieur pas souhaité Guterres t'ait insisté sur aspect ça, mais il t'ai fait. Rencontre si là pas porter aucune solution à crise pays a fait face Sinka Kwe Daniel Syriac. Qui effet présence Ariel Henry participation dans sommet ça yo capable gagner sous Haïti en termes positif rien du tout parce que tout le monde connaît besoin Haïti jodi là c'est pas ça Ariel Henry a réglé yo qu'on y a et c'est pas ça que li réglé déjà depuis tantôt deux ans. Si pour porte-parole au PL là rencontre si là pas porter aucune solution pour responsable mouvement débloqué Haïti a c'est un monte et descendre dans l'idée pour continuer gaspiller l'argent trésor public là. Visite Guterres en Haïti, c'est on visite en plus, j'en ai toujours qu'on fait, mais étant donné que gen moyen pour ça, mais pour nous pas besoin de venir, c'est ça nous même n'a revendiqué, c'est peuple là qui doit jouer une sécurité, c'est peuple là qui doit jouer une manger pour le manger. C'est pays à nos besoins rapatriés, c'est souveraineté, un pays papa des alentes bataille, l'été quitter pour nous, c'est ça nous besoin. C'est pas question de monter descendre, voyage, etc. Visite secrétaire général organisé
Organisation Nations Unies, c'est une façon pour te venir faire gagner joindre une coalition d'après porte parole de bloquer Haïti. Dans sens ça, responsable et secteur si là, mande toute force vive nation mettez tête sur ensemble pour arriver joindre et une solution à crise si là. Nous-mêmes nous croyons que jodi a haïtien, haïtienne, qui fait politique, citoyen qui dans société civile et cetera, doit mettre tête nous ensemble pour nous proposer à la nation une alternative. C'est 24 mois Ariel va gagner tête pouvoir là et nous tout wel, tout bagaille net crasé même Ariel Colbosso. Donc nous pensons que faut bon bagaille qui dit visite là. C'est premièrement où elle vient là, il y a des groupes de gangs qui commencent à faire alliance, et autant de cités soleil tout suite à parler qu'a fait, alors que nous connaissons, c'est eux-mêmes qui mettent les gens qui répètent chaque jour, qui baillent aux cartouches, baillent aux armes, puis ils font des ordres dans le pays, et bien qu'on y a, pour y montrer que ils font des bagages, ils demandent de faire alliance. Donc, pas rien qui puisse sérieux qu'à régler, c'est juste en montée des sommes. N'a pas signalé pour nous dire, depuis après l'assassinat ancien président Jovenel Moïse, premier ministre Ariel Henry vient tourner celle qu'on chante dans tel pays. Environ deux l'année, situation socio-politique et économique pays a tombé pire sous la graba. Pendant rencontre a fait passer par là. Est-ce que rencontre ça, ces dernières rencontres qui prennent réellement conduit nous sous l'espoir? Yon réponse. En pile mon apton. Adiani Oximable, Saint-Fleur, TAC 509. Responsable dans dans loterie l'état haïtien dénonce Jacques malversation ak intimidation employé yo pas suspendre sibi en bas main dirigeant association nationale temancier bolet yo membre ANTB yo prend plaisir nan ramasser l'argent bon côté banque bolet yo sous nom l'état haïtien alors que l'argent sa yo pas jamais rivé dans caisse qui donc eh bien responsable yo peuple haïtien yo pas gen aucun contrôle sous l'argent sa yo. Donc, Rolex Pierre, c'est directeur coordination bureau régional loterie l'État haïtien Tenamico, TAC 509. D'abord, dénoncer les actes d'intimidation avec agression que la majorité employés loterie de l'État haïtien a subi dans pile coin dans le pays. Les actes qui menés par des individus qui, à la solde de yon association financière bolette qui gagne dans le pays, hein? Qui depuis un bon bout de temps fait tête li passer pour yon percepteur de taxes qui fait tête li passer pour kap jouer rôle loti de l'état haïtien t'a de jouer nan recouvri taxes qui est les droits fixes et variables dans affaires jouet hasard dans le pays, hein? Moun sa yo, yo fait yo accompagné par plusieurs magistrats qui fait partie de magistrat de Bouyo. Gen d'abord Fortuné Léonard qui trouvé li nan sud, qui se yon nan moun que ANTB a payé pour que li capable camper en croix en face travail que employé loti de l'état haïtien gagnent pour être capable de faire, pour permettre à ce que l'État capable de recouvrir taxes dans les affaires, jouer hasard dans le pays. Nous avons également deux commissaires, substituts commissaires du gouvernement qui trouvent dans le sud-est, plus précisément dans Jacques Mel. Nous avons Cheima Léonel, Angela Bienbenil, qui sont deux substituts qui ont touché dans le ANDB. Et qui campait en quoi en face travail coordination départementale sud-est là. Je vous dis, hein, nous interpellons toute institution qui est bien là pour que vous capable faire la loi respecter dans le pays. Hein. Nous interpellons conscience citoyenne. Nous rappelons que Mounsa yo pas rien que y a fait que empêcher l'autre de l'État haïtien fait travail que loi 1958 là bali commission pour directeur général loterie l'État haïtien Luc Ranch convoqué dans paquet Port-au-Prince jeudi 6 juillet a, numéro 1 loterie nationale là a pour répondre question concernant une plainte Lourdiani Bastien te déposé contre lui pour menace la mort de GATFL directeur coordination bureau régional loterie haïtien Rolex Pierre confirmé Lourdiani et bien Bastien te signé un protocole ensemble avec loterie nationale l'État pour que
li capable organiser yon jouet ki pote non canal loto. Cependant, akò si la pas respecté. C'est ça qui la cause dossier ça arrivé devant la justice. Entendez-le pour yon deuxième fois. Effectivement, direction générale loterie de l'État haïtien recevoir yon invitation de yon certain Loudiani Bastien que directeur a pas connaît ni en blanc ni en noir nan, d'après ça que li déclaré dans conseil de direction qui était gagné hier là Loudiani Bastien les nous informer à travers archives l'outil de l'État haïtien nous rend compte que c'est un monde qui était gagné d'abord en premier accord avec l'outil de l'État haïtien pour que l'été organisé yon jouet et que quitter le canal loto malheureusement il pas te respecté en rien dans accord ça d'abord l'elle t'a fait jouet là dans bénéfice tu gagne 50% pour l'autre 50% pour lui-même 50% que li pas jambe bail à l'autre mm-hmm. Deuxièmement plusieurs nan gagnant yo a plaigné sur en pile et média nous gagne par exemple propriétaire Monchiz hein, et Bahi qui c'est un gagnant qui nous contente sur les réseaux sociaux qui a dit que il était gagné dans un tirage qui était organisé et que l'autre était parti prenante là-dedans l'autre a reconnaître que effectivement il était bail accord de principe à Loudiani Bastien pour réaliser canal loto hein. Mais par contre c'est film privé ça qui était gagné tout pour il était bail prix à eh bien moun ki gen malheureusement ça qui pas déjà fait déjà gagnent direction juridique cap travail pour comment yo capable forcer à dame ça pour li capable répondre à obligation ça et deuxièmement papier ça a vini puisque dame là au courant que gagnent enquête administrative qui t'a mené autour de l'autre hein, pour que nous t'es capable dénoncer bien organisation que la à la traque papa. Ancien sénateur Yuri La Tortue, qualifié persécution politique, ordonnance juge Martel Jean-Claude qui mandé pour yota arrêter pour détournement fonds publics. Dirigeant parti politique Haïti en action déclaré décision ça li illégal, li contraire ensemble avec sa la loi dit selon déclaration sénateur République là. Pour plus de détails à nous tarder notre cher petit chéri Youyou. Sénateur, ça juge là, il reproche nous. Juge là, m'a dit pour vous juger pour prise illégale d'intérêt. Et loi sénat, il dit que c'est un monde de confiance pour choisir. Et il y a 30 sénateurs qui choisissent le monde de confiance, qui a un monde rapproché, qui a famille, et bien pour que vous gérez le bureau politique. Donc, ce n'est pas simplement le sénateur La Tortue, c'est tous 29 sénateurs, c'est tous 120 députés. Et ces affaires nous disent, ça étonne nous, eh bien, puisque mon acharnement politique, il y a 500 personnes qui prêtent comme dans le NAP, eh bien, c'est nous déjà, moi-même, avec Reginald Boulos, que vous avez pour témoigner compte. Sous comme ça, alors que, justement, c'est un monde qui est rentré dans la production nationale, qui baille 200 000 de travail, et bien, qui fait que la production nationale se monte dans le pays, il y a constaté, il y a eu, et... En production nationale monte, oui. nos petits politiciens là-haut, oh, c'est tellement chou. Ah oui! Oui! Yuri allé dans l'ONA, oui. L'argent prêté, il investi dans la production nationale et la production nationale monte. D'accord? I love you! Je suis mon sous-chef là. Je suis mon même. Après 5 ans, nous finissons payer. Et nous payer pour l'ONA Sahara, puisque l'entreprise a été arrivé payer. Mais l'heure où nous finissons payer comme ça, eh bien, qu'on y a, il y a une derrière nous, dans la question du bureau, Sénat, que tout le sénateur, bon coordonnateur, que vous choisissez un monde qui porte pour payer. C'est tous les 30 sénateurs, d'après l'article 26.2.
Pas de problème, non, sénateur. Monsieur, persécuto. Sénateur, pas de problème ensemble avec monde de confiance ou choisi ou bail pour gérer biou, non? Mais ça qui passe, l'argent c'est dans compte en banque ou le descend. Est-ce ça le problème, non? Ça veut dire, Fabi ou a te gagné un compte en banque. Le ou paye employé, et bien c'est biou sénateur qui paye employé. Mais l'argent toujours vini sous compte en banque personnel ou. Et ça qui problème dans sénateur. Alors, bien kaboul avec Haïti dans le pays ici là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, gagne Fondation J'éclairé qui levait voix pour dénoncer décision pour transférer plusieurs policiers qui t'a assuré sécurité divers juges dans juridiction Gonaïve là. C'est une menace pour la vie juge yon dans cas cap bataille contre grand banditisme dans cité l'indépendance d'après FJ Kayel qui mande autorité au dans département la Tibonite pour retourner sous décision si là. On suive yon papier sous dossier ça ensemble avec Jacques Smith. Fondation J'éclairé FJ Kayel dénonce décision sans réfléchir autorité policière dans le département de la Tibonite qui choisit transférer tout policier qui tape assurer sécurité certains magistrats dans la commune Gonaïve qui lance une bataille contre grand banditisme dans la juridiction si la. Dans un communiqué qui date 4 juillet 2023, Fondation J'éclairé fait quoi? C'est avec gros la peine yo apprendre autorité policière yo qui dans tête direction départementale la Tibonite police là transférer policier Wilson Simon qui était en détachement avec magistrat Louis Malouidor, qui se juge avec juge instruction dans le tribunal première instance Gonaïve, la gagne tout policier, Baby Senatus, qui t'a pas sécurisé magistrat Willens Derival, qui se juge avec juge instruction dans le tribunal première instance Gonaïve, la. Policier, ça a tout le même transféré pour le travail dans l'autre département. Ça qui mal là. Changement sa yo a fait sans avis magistrat yo, qui donc en Poukounia magistrat sa yo pa gen aucun policier kap sécurisé. Selon RJKL, ensemble juge, nous sot cité si la yo nan vise gang Kokorat sans race kap opéré nan rentre site ville Gonaïve la. Organisation kap défendre droit moun nan estime décision pour transférer policier qui était en détachement avec magistrat si la yo, c'est une menace pour la vie ak indépendance juge yo nan exercice sa fonction yo. RJKL lance yon appel bon côté autorité policier yo pour retourner sous décision ça qui pas cadré à ka principe pour protéger certains magistrats qui ont fait effort pour combattre grand banditisme qui c'est une obligation pour pouvoir public yo et puis qui c'est une exigence minimale pour l'état des droits en Haïti. Jacques Smith, TAC 509. Merci Jacques Smith. Dans quatre projets avec vision vaudouisant et on a bala Tibonite pour unifier secteur, t'es rencontré ensemble avec divers prêtres vaudou à si national, t'es brassé l'idée pour joindre une formule pour résoudre problème les champouels les géniaux à faire zone yo. Commissaire gouvernement, c'est Macla qui c'est Vincent François en même temps, yon gangan qui assistait rencontre la baye position gangan yo après des années assassinat président Jovenel Moïse à tout l'autre monde cap victime en bas mes bandits cap terrorisé yo. Vincent François Tenamico TAC 509. Pour nous monsieur et nous connaissons pratiquement que Vaudoua la enquête de unification ni Vaudoua comme instance comme entité qui t'a porté en pile contribution pour mettre nation ça pour nation de prendre naissance et nous estimons que il y a un pile si des rapages qu'a fait en plus des autres qu'a fait et ça va droit avec l'ensemble de monde qui fait de petits cassettes pour vos droits et sur base ça nous décidé pour que nous nous rencontrions pour nous garder comme nous avons payer ensemble des autres qu'a fait dans vos droits comme de fait et tout le monde qui était là ou vraiment nous qui était là ou tout le monde pratiquement c'est côté droit recommencer. C'est la loi qui a fini, côté droit fini, c'est la loi qui a commencé. En termes d'activité, nous concluons. Activité d'élimination, jeune a fait voulu faire, pour terminer par quitter trop tard pour ne pas perdre du coup. Mais on termine à 9h du soir. Et sur base ça, nous sommes bien contents que vous prenez disposition ça. Et nous comptons sur la contribution de tout. Nous allons continuer à collaborer pour nous faire respecter la disposition ça que nous prenons. Parce que nous connaissons assez souvent l'activité criminelle faite dans la nuit.
et en pile fois, il y a des gens qui sont victimes dans la rue, pour demander est-ce que ce n'est pas nos activités de jeunes qui sont sortis. Et bien, pour eux-mêmes, pour ne pas contribuer à renforcer cette criminalité, et bien, on prend des décisions là que j'ai estimé que c'est un bon bagage. Qui positionne en tant que vaudouisant et sur la mort, Jovenel Moïse, qui vient 2 ans, nous t'ai parlé de Sandam, en tant que Bokon. Bon, normalement, en tant qu'haïtien, en tant que mouvement, en tant que citoyen, il est clair que quel que soit mon nom qui est victime, il est bon côté. Et dans le cas où on a un il faut que justice soit faite, comme de fait. C'est tout. On connaît pas qu'il y ait un pays, pas qu'il y ait la paix sans justice, pas qu'il y ait justice sans contribution de tout le monde. Et les gens qui ont une responsabilité, que ont puni au regard de la loi, en tant que vaudouisant, nous dit quand ça c'est que t'es pas mal des salines, faut critiquer qu'à nous là-dedans, en toute sécurité, dans la paix actuellement. How? À la traque, papa. Donc, si messieurs, dames, chapeau, vous nous entendez? Dégagez-nous, fait jeune nous fait la prière, mais depuis 9h, rentrez la caille. Pas arrêter dans la ria, 11h, parce que moi-même, tout me besoin de l'activité. À la traque, papa, dans le pays ici, là. Et sécurité la journée, insécurité dans la nuit. Frère Maxime, cap coûte, pour cette information, n'a fait place, ensemble avec Sévère. Merci Foucault. Bonjour, bonsoir tout le monde. On a poursuivi avec information yo mardi 4 juillet a fait 247 l'année fête nationale pays États-Unis. Dans occasion, premier ministre Ariel Henry souhaitait bonne fête à Kepep et puis gouvernement américain au message sur Twitter non jour solennel indépendance pays États-Unis Amérique. Li agréable pour un capable souhaiter bonne fête à quel gouvernement américain d'après chef gouvernement haïtien écrit sur compte Twitter li. Moi profiter pour me saluer relation haïtiano-américaine yon modèle ko opération bilatérale qui fondée sur solidarité et respect dans nos peuples haïtiens moins dossier sécurité, agent sécurité Emile Ernest, qui a travaillé dans un supermarché qui est situé dans la banlieue Bloc House, ville Semak, kidnappé dans l'après-midi lundi 3 juillet, à pas trop loin, lycée Stenio Vincent, dans Portail Gap. Zaxa qui fait pas bandit, qui a psychilé à bon véhicule Macto Taraf 4 à couleur blanche selon témoin. Jusqu'à Ayemadi matin, un bandit pas très clamé l'agent et proche était toujours sans nouvelle victime. Jean, nous t'ai dit ça, l'organisation pour développement socioculturel Dominico Haïtien qui a levé voile ensemble avec diverses instituts politiques et puis société civile pour capable réclamer application pleine et entière accord 21 décembre 2022 et association ça quoi ça capable permettre organisation prochaine élection yo pour capable permettre pays un dirigeant élu et puis légitime et si qui exiger également tout conformément avec accord 21 décembre non remaniement ministériel citoyen cher pays non a pas avancé dans la paix, respect dans la loi comme boussole. D'après ça, nous capable de communiquer. Organisation dit profondément préoccupée par rapport avec tout nouveau événement dans un moment important côté celle l'union se avec frère même nation capable aller au-delà de conflit, capable soulever dans bon sens pour dire à haute voix non avec tout ça qui contrait avec démocratie. Organisation voulait rester engagée dans lutte en faveur changement, les interpeller les amis toute tendance à parti politique pour prendre place à bon côté partisan dialogue ak entente notre citoyen qui saccagé puis fatigué à cause phénomène insécurité la vie chère et puis misère noire avec force qui a déchiré tissu social ak économique pays intérêt nous de loin inférieur ak envie pour capable servir pays nous même avec camarades gourmand yo qui prête à tout pour capable remplacer quelques corrupteurs qui écarté dans discussion pas pouvoir remplacer toujours d'après notre ça pour responsable et c'est ça nous gain responsabilité ak mission pour nous conduire pays en un bon port. Yo di yo quoi conscience patriotique a triomphé sous quête quelques intérêts personnels qui freinaient avancement pays. C'est Dodley Aurelius qui s'y est en bas notre sila. Direction républicaine dominicaine, information qu'il y avait compatriotes haïtiens nous yo, gain autorité dominicaine qui interpellé yon vingtaine ressortissants haïtiens pour diverses infractions. Yon vingtaine ressortissants haïtiens interpellé dans pays République dominicaine pour diverses motifs selon communiqué Direction générale migration dominicaine. Selon document Direction générale migration pays voisin, 8 dans ressortissants haïtiens étaient en situation irrégulière dans moment opération. Tandis que gain 3 autres qui a exercé un commerce informel sans autorisation.
12 l'autre qui sont ici haïtiens yo fait mise à jour document yo mais yo té pri yo pour camper activité commerciale à cause yo pa gen autorisation municipale là. Arrestation ça yo côté autorité ça concerné c'est résultat effort qui renforcé contre immigration irrégulière République Dominicaine conformément avec la loi qui en vigueur dans pays ça. Sans papier yo transféré dans un centre en détention dans l'idée pour capable faire traitement et puis expulsion effet personnel yo qui était confisqué tout. Parmi effets qui était confisqué, t'es gagné tricycle avec noix de coco, chariot boisson, chariot accessoire pour téléphone portable, ak yon chariot qui était gagné haut-parleur Bluetooth. Gagné secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui insistait bon côté communauté internationale là sur nécessité pour former une force à sécurité étrangère en Haïti. Les sollicités volontaires dans le cadre de la célébration 50e anniversaire communauté Caraïbio dans le cadre d'un sommet 3 jours qui commence depuis 3 juillet, qui prend fin jeudi 5 juillet. Nous devons collectivement faire effort pour nous capables d'aider les peuples haïtiens à tracer une meilleure voie vers élection et puis une solution politique. Déclaration Guterres après une réunion bilatérale avec le Premier ministre Trinité et Tobago à Ketroile dans Port of Spain. Ça arrive fait, les souligner devant les médias. Ce qui est important, c'est que nous avons besoin d'un pays qui dispose de forces police fortes avec équipement et puis soutien logistique nécessaire pour porter aux volontaires. Guterres souligne à propos Haïti qui a traversé une crise qui prolongée et puis grave selon surtout avec situation sécuritaire pays humanitaire et puis dans domaine social et politique. Pas qu'à gagner sécurité durable sans insister sur institution démocratique. Et pas qu'à tout gagner une institution démocratie forte, c'est une amélioration drastique situation sécuritaire pays. Dans ce sens-là, l'idée de prôner déploiement d'une force sécurité internationale autorisée par Conseil sécurité ONU et puis capable opérer avec la police nationale d'Haïti pour démanteler les gangs qui créent violence sans précédent ça. Pays africains et caraïbes montrent volonté pour participer à effort et lancer appel avec tout le monde qui tout pays qui a une capacité nécessaire pour capable porter également volontaire d'après Antonio Guterres. Selon lui-même, doit gagner une priorité absolue pour la communauté internationale à analyser sérieusement la situation de trafic d'armes dans la région et puis adopter mesures internationales pour caper le commerce. Dans le contexte, le secrétaire général CARICOM, Carla Barnett, a souligné l'appui pour le travail avec les pays caraïbes. Il n'a pas soutenu les pays haïtiens si les pays haïtiens n'ont pas voulu ça. De même, Barnett expliquait qu'il y a un problème qui empêchait la mise en œuvre. Par exemple, autorité légale pour faire ça, bah, pas une résolution Conseil de sécurité ONU qui prévoit pour le moment, il y a quelques bagailles qui doit résoudre avant sa réaliser. Ce qui était déclaré que CARICOM déjà entamé un processus avec toute partie impliquée en Haïti, donc gouvernement par intérim et société civile pour discuter avec eux même si yo capable aider trouver propre solution. N'a pas tourné en Haïti dossier sécurité gain fondation Géclair qui dénonçait décision irréfléchie autorité policière qui transférait policiers qui mettaient volontairement en danger magistrats qui engagés dans la lutte contre grand banditisme dans ville Gonaïve. Dans un communiqué qui date le 4 juillet, Fondation Géclairin souligne li apprendre sans avertissement et puis sans remplacement policier Wilson Simon, détachement avec magistrat Luma Luidor, juge ak juge instruction dans tribunal première instance à Gonaïvio ak Babi Senatus, en détachement avec magistrat Willens Derival, également juge ak juge instruction dans tribunal première instance à Gonaïvio rappelé yo. Li rappelé magistrat sa yo trouvé yo dans viseur gang Kokourat sans race qui a opéré dans entre sud des villes Gonaïve là. FJKL estimé l'ordre de transfert manière cavalière et policier sa yo qui attaché avec sécurité rapproché magistrat sa yo si on menace ak indépendance magistrat sa yo voit même yo mise en danger la vie yo dans exercice fonction yo. FJKL lance appel by autorité policière yo pour retourner sous décision sa qui pas cadré avec un principe qui voulait que protection un monde qui chargé pour combattre grand banditisme yo c'est une obligation pour pouvoir public là exigence minimale état de droit. Gen ministère justice et sécurité publique qui rappelait avec chef paquet yo obligation gen pour visiter prison dans l'idée pour assurer conditions sanitaires prisonniers puis qualité nourriture conformément à article 442, 447 à 448 code d'instruction criminelle là. Ministère justice et sécurité publique réagit face avec situation dégradante prisonniers yo a vu. Ministère justice et sécurité publique rappelait à commissaire gouvernement yo et puis si petit yo obligation pour visiter régulièrement prison yo nan lite pour assurer conditions alimentaires et puis sanitaires prisonniers yo. Ministère mandé pour respecter article 442, 447,
448 code d'instruction criminelle. Commissaire gouvernement yo gen comme responsabilité exiger globalement yon quota 10 réquisitoire ak accusation mens chaque mois dans chaque substitut qui affecté ak parquet yo. Yon prorata dossier en souffrance dans chaque juridiction depuis commencement année au moins yon 21 prisonniers a péri à cause des conditions sanitaires puis malnutrition dans prison yo. Pour moi, meilleur 4 prisonniers ont péri dans la prison civile CEMAC, selon Maître Arnel Grim, coordonnateur collectif et avocat pour défense Douamoun. Dossier sécurité sorti 28 juin, arrivé 2 juillet 2023. Président Rassemblement, Madame Sarah, te fait yon tournée dans la commune Limbé pendant côté que Jocelyne Jean-Louis te chita parler avec Madame Sarah qui sorti dans plusieurs localités. Commerçant sa yo, yo di yo bouke avec question insécurité. Principale revendication commerçant sa yo chita sur insécurité. Protestataire yo dénoncé en seule voix et monté phénomène insécurité qui selon eux même entraîné conséquences multiples. Ne pas qu'à traverser Esther, en raison insécurité qui régne maintenant dans zone ça pour acheter certains produits tant qu'on dirait, nous obligé à payer prix à bien cher parce que chauffeur yo qui fait trajet ça, yo mandan pile l'argent. L'autre département yo coupé capital là. D'après eux-mêmes, entraîner conséquences économiques graves. Quelqu'un d'ailleurs a fait face avec une crise sans précédent. Présidente Rassemblement, Madame Sarah, yo, jugeait inacceptable situation ça. Demandé avec autorité au propre mesure sécuritaire dans l'idée pour commerçants capables de vendre marchandises yo, sans qu'elle saute. L'idée en faveur d'un accompagnement pour commerçants qui décapitalisaient à cause phénomène et sécurité. Jocelyne Jean-Louis lancé appel by autorité pour investir dans le secteur agricole. Importation constitue un manque à gagner pour pays d'après commerçant là. Taux élevé inflation avec dollar qui persistent augmenter sur marché local là, c'est résultat importation qui a fait d'après précision présidente rassemblement madame Sarah. Il mandé avec autorité pour prendre mesures nécessaires pour remédier avec situation si là. Direction Léogan. Yon inondation qui était faite samedi 3 juin dans Léogan qui connaît une pigo inondation dans l'histoire. Yon inondation qui était la cause en pile dégâts était enregistré. Moun perdi la vie yo, moun perdi bête, jardin détruit, entreprise, l'école, centre santé, envahi aglo, l'église, infrastructure urbaine, nari, système addiction, glou portable, centre ville, kay, machine. Tout est envahi. Yon mois après, Léogan, Poko Kalevé et puis Ménasio, toujours en pile sous deux populations léoganaises là, et qui exposent avec grand goût épidémie, infection, voie génitale, maladie hydrique et une grave crise économique. Timounio toujours Poko Kajou une assistance après inondation ça. Gamounio était très faible et puis yon pas gen abri dans quelques zones. L'école yon qui était détruite à cause inondation samedi 3 juin, yon pas j'aime recevoir aucun support. Bon côté autorité gouvernementale yon ak ONG international pour capable fonctionner. Famille yon était puis yon demeure très vulnérable face avec famine yon et puis yon grave crise économique. Bon côté protection civile, yon mois après inondation majeure samedi 3 juin, bilan définitif là Poko disponible. Société civile là qui mettait la branle pour capable faire en sorte que yo assainir centre ville Léogan et puis distribuer aide humanitaire ba victime yo pour qu'on gagne moyen pour capable continuer faire ça. L'intervention ONG internationale yo minime et yo mal coordonné spécialement PAM qui distribuer kit alimentaire ak UNICEF pour kit hygiène. Pouvoir central Ariel Henry paraît cynique même visite officielle pour qu'on fait dans Léogan yo mois après inondation 3 juin 2020. Ministère travaux publics fait une apparition timide et puis bien rapide li quitter Léogan. SNGRS PAM jamais mette pied dans Léogan pour participer à l'activité assainissement. Ministère environnement suivre peut-être inondation Léogan sur réseaux sociaux. Pourtant, cité Anakaona fait face avec une catastrophe écologique grave. Mairie Léogan bon côté parle à Paris pour lancer plan relèvement intégré Léogan post inondation 3 juin 2023. Mais en réalité, un mois après inondation 3 juin, commune Léogan toujours en très mauvais état. Centre ville surchargé avec fatra et en pile fatra, en pile surtout route yo bloqué, en pile kay qui inonde ville vin totalement chargé à poussière et puis exposé avec infection. Cimetière principal centre ville Léogan en très mauvais état et puis représente un vrai problème santé publique pour population léoganaise. Et puis après ça, barrage Port Rivière moment cela fut ciré puis rempli avec fatra.
Yon mois après inondation, planteur Léo Gagnon attend toujours des subventions, étrants agricoles, engrais, outils et semences pour relancer l'activité agricole dans Léo Gagnon, qui c'est une zone essentiellement agricole. Si commerce yon nan marché public yon compte déjà yon appui financier FAES ak ministère affaires sociales à travers fonds appui ak assistance humanitaire qui décaissé par gouvernement Ariel Henry yon mois après avant inondation qui évalué avec 21 milliards gourdes trésor public sans oublier appui communauté internationale là ak réponse humanitaire en Haïti. Yon mois après inondation samedi 3 juin, Léo Gagnon, si yon ville qui ravagé puis exposé avec famine, épidémie et puis yon grave crise économique. N'a poursuivre avec information yo zami etern. Gagné tête de syndic Younamab accord Montana qui explique yon notre fond quoi Ariel Henry pas capable gérer crise là et dans cadre réunion te gagné avec secrétaire général ONU week-end passé. Il était profité tout dénoncer un groupe monde qui proche pouvoir qui demander intervention militaire. Yon position membre accord Montana dit li compte en côté tête de syndic. Oui, monsieur Gutierrez ça en parvenir spécialement comme son bas arrivé comme ça. C'est ensuite d'ensemble d'initiatives qui apprend en dehors du pays, en d'un pays qui conduit M. Gutiérrez. Donc, c'est bien un vent de négociations directes avec M. Ariel Henry qui n'a pas abouti, qui est bloqué plus ou même côté A. C'est bien une initiative CARICOM, côté ni américain, ni canadien, ni Nations Unies, qui font des marches auprès de CARICOM pour organiser une rencontre qui était faite là. Et qui sortit avec une position commune d'ensemble de acteurs politiques et acteurs sociaux qui passent à COVID-19 décembre. Mais par contre, on réalise tout, toujours il y a une question de comment élargir le 21 décembre qui va présenter au niveau international et aussi d'acteurs locaux qui pensent que c'est qu'on s'allie. Position Montana, qui l'exprime clairement pendant avec une rencontre de lui, c'est que pour nous-mêmes, pour nous tourner à l'ordre institutionnel dans le pays, nous ne pouvons pas accepter de pays avec aucune dictature, aucune autocratie, aucun pouvoir individuel et personnel qui a dirigé le pays. Donc, nous rétablir l'ordre institutionnel là, ça veut dire clair, deuxièmement, un gouvernement qui gagne, un premier ministre, et le premier ministre n'a pas gagné un coup de béton, qui t'a obligé que c'est Ariel Henry, nous, en discussion politique, dans une négociation politique, si M. Ariel Henry est aussi performant, aussi bon que Jean Paléa, il t'a fait élection déjà. Il t'a combattu dans nous, il t'a rétabli la sécurité dans le pays, il t'a permis que la vie économique reprenne, il t'a permis que la population circule. Donc la question, pas de préséance, la question, il nous fait clairement définir ça avec lui. Et le point qui est fondamental, que les Nations Unies, que les Américains, que les Canadiens et l'ensemble de l'autre pays, il t'a fait promotion et le gouvernement haïtien mandé formellement par écrit pour demander une intervention militaire dans le pays, nous sommes clairs avec ce qui se passe. Nous-mêmes, Montana, nous avons inscrit dans l'intervention militaire et nous passons à ce niveau-là, dans l'intervention libre, nous commençons à changer qui peut gagner soit intervention et force militaire-là. L'expliquer qu'on y a pris contact à Montana, dit par la nécessité, il y a une force militaire, mais son force robuste qui pour venir, nous avons dit, spécification de ça, nous quittons la parole libre. C'est des bagages comme ça que nous exprimons clairement. Mais formez-vous sincèrement, avec un peu de tristesse, un peu de douleur, pour voir que les Haïtiens parlent de situation table, car expliquer blanc que son papa y est, il parlait de sollicitude paternelle de M. Gutiérrez. Je dis, M. Gutiérrez, il faut faire un plan, si mon plan Marshall a fait, c'est pas bien content, mais si pas bon plan Marshall, c'est qu'il a bon plan Gutiérrez. Si pas d'avoir un plan qui tire, c'est quand même pas d'avoir un plan quand même qui nous vient sauver le pays, comme si nous sommes incapables de résoudre le problème pays, nous sommes incapables d'agresser le problème dans le pays, comme si nous avons eu deux ans, nous avons failli, nous avons passé ensemble de pays à failli. C'est détenant de l'accord du 21 décembre, nous n'avons pas besoin d'énumérer, mais nous étions là, nous étions présents. Nous étions même seuls à chercher, c'est comment nous faire force militaire dans le pays, venir garantir le pouvoir, venir sécuriser notre affaire. Bon, première chose, c'est que les constater à la fin du deal, l'intervention, c'est que il y a deux projets dans le pays qui sont diamétralement opposés, idéologiquement opposés. C'est un blanche qui pensait que tout barrage prophétique par rapport à l'articulation à l'étranger ou faire l'indépendance par rapport à l'étranger, qui d'accord pour question de l'intervention et tout barrage à eux. Et une deuxième qui pensait que le moment ça tenait là, il est nécessaire que nous fassions les grandes réformes nécessaires de base pour permettre que la démocratie retourne dans le pays, qui permettent que l'institution fonctionne, qui permettent que la population participe dans la vie politique du pays à travers une conférence nationale, que la question de la réforme constitutionnelle posée, mais au niveau d'un débat national, ils disent que lui-même, il pense que le projet ça est irréconciliable. Mais de toute façon, il pensait, lui-même, c'est une balle diplomatique de la paix, il pensait qu'il être avec un moyen interne entre nous pour résoudre le problème. Parlez-nous de polémique. Et non, pas de gagner. C'était un bail qui était fait de la sérénité.
Non, pas de gagner de l'ouvrage ou quoi que ce soit. Il y a une certaine presse qui a fait sortir des bagages qui ont pas de débat avec eux. Mais nous-mêmes, nous toujours, quelque chose à côté, nous toujours des moyens de garder notre calme d'une chose, les réserves qu'il faut et jamais attaquer Mounio devant l'international. Il y a un dirigeant parti politique, une qui croit plutôt à coopération internationale, qui a accompagné la police en allant intervention militaire. Pour l'idée unir l'intervention qui fait dans le temps passé, pas de poter rien pour la population. Au contraire, il était quitté en goût amène en bouche. En côté Clarence Renoir. Il faut que nous considérions visite secrétaire général là comme une visite. Une visite veut dire ça, veut dire. D'autant que son visite qui fait dans moins que 24 heures. Son visite de consultation, son monde qui passait, qui vient parler avec quelqu'un monde qui allait. L'homme dit ça, m'a voulu minimiser l'importance du passage secrétaire général Nations Unies dans le pays d'Haïti. Et c'est une personnalité mondiale qui est extrêmement importante, car la tête ou institution internationale aussi est importante que Nations Unies. C'est surtout sur le plan politique. Parce que sur le plan sécuritaire, moi, sûr que secrétaire général a un rapport ça qui a passé dans le pays d'Haïti avec activité gang yo, il y a une information ça yo. Sur le plan international, secrétaire général là a bataille, l'a demandé depuis plusieurs mois, presque une année pour une force robuste qui vient en Haïti. C'est pas parce que le vinna qui fait force après arriver. Travail sur le plan international là pour continuer fait toujours. Cependant, me penser sur le plan politique, visite secrétaire général des Nations Unies, c'est sous aspect ça. Moi penser que il capable gagner un impact, c'est-à-dire il vient insister auprès de acteurs yo que le pas de café vinn côté lié à New York dans ces Nations Unies pour parler avec yo. Donc Livini en effet il rencontre plusieurs acteurs politiques, il rencontre premier ministre, il rencontre parti de l'opposition m'ta capable dit de manière large, il rencontre signataire accord 21 décembre qui soutenu pouvoir, il rencontre société civile etc etc. Donc il gagne une idée de situation pays a m'ta capable dit de position et positionnement chaque monde sur échiquier. Donc présence ici ouais comment la chercher créer un front pour pas rester chita accroché à accord 21 décembre, non, mais pour l'encourager que acteur, jouer nous notre accord politique qui est capable de débloquer crise politique là. Force multinationale que secrétaire général des Nations Unies a fait plaidoirie pour lui, tout le monde comme ça. Depuis longtemps, la fait plaidoirie, le gouvernement écrit et officiellement à travers une résolution demandé tout intervention en Haïti, mais il faut que nous rendons compte que intervention n'a pas qu'à venir, parce que pas qu'un preneur, pas qu'un aucun pays qui veut prendre lead, qui veut prendre tête ou intervention venir dans le pays d'Haïti, pour toute raison, on est capable d'imaginer manquer intérêt réel pour Vina. Deuxièmement, son terrain miné, piégé, et les États-Unis dit lui-même, lui prend un pire engagement déjà dans le pays d'Haïti, il y a des mauvais rapports, mauvaises relations avec Fouille Force en Haïti, il prend un vivre réel. Canada déjà dit clairement, par le biais du général, il n'est pas capable de Fouille Force en Haïti, donc pas gagner leader pour prendre force là. Maintenant, rester certains pays de l'Afrique et des Caraïbes éventuellement, ou de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, qui est capable d'intéresser voyons force. Mais nous déjà dit position nous clairement, ou pas besoin de force d'intervention dans le pays d'Haïti pour résoudre des problèmes de sécurité, ou besoin de force de coopération, d'accompagnement à la police nationale, c'est-à-dire, oui, ou avoir présence de policiers ou militaires combinés étrangers qui viennent avec équipement logistique, je l'ai dit par exemple, drone, hélicoptère, véhicule blindé, pour venir accompagner la police nationale là sur le terrain, pendant que la police là avec eux dans le même travail là, et la prend une sorte d'entraînement policier pour la police haïtienne. Et c'est sa position, pas nous n'en unir, qui n'ont ensemble de positions de leader politique là qui t'a profité parler sous question élection dit le compte façon responsable dans pouvoir a fait pour capable mettre sous pied nouveau conseil électoral provisoire qui d'après li pa kadé ak la loi pour candidat pour poste président dans dernière élection yo c'est pral absé sous clou si gen élection dans contexte pays en trouvé journée jodi. En côté Clarence Renoir pour plus de détails. Nous pensons qu'il faut que dirigeant nous, et là, m'a parlé avec le gouvernement, premier ministre de facto, Ariel Henry. Faut tirer leçon de l'histoire. Là, on fait piquer devant ça. Ou on côté rivo frapper non mieux, ou pas capable d'avancer. Tant que pas gagne un accord politique entre différents acteurs politiques majeurs, yo, ou pas capable de mettre sous pied un conseil électoral, qui ça devrait le faire, conseil là? D'ailleurs, est-ce qu'on fait référendum avant? Est-ce qu'on fait élection tout de suite? Qui sauve les faits? Faut qu'il y ait un accord politique. Faut qu'il y ait un parler. Faut qu'on dialogue entre force politique et force sociale pays, hein, pour nous connaître. Si là, un conseil sous pied, il faut que ce soit un conseil conflictuel qui va le poser problème à l'avenir. C'est-à-dire, un conseil qui va le contester avant même que le commence à faire élection. Il va le contester pendant la faire élection. Et après, le fin de faire élection, sur le résultat, il va le contester toujours parce qu'il va le gagner en tête, parce qu'il va le gagner des mondes qui va le boycotter. Et c'est normal, c'est légitime. Si, par exemple, on garantit que le conseil là, son conseil qui est fiable, qui est capable, on va parler de monde qui va mettre dans la liste 20 ou pas, non? Mais c'est Jean Fell. Bien vice-président syndicat travail qui confirmé technicien cap travail dans Peliglan capé de travail depuis vendredi passé pour cause pas payer plusieurs mois arrière de salaire. Syndicaliste fait connait
Problème courant qui gagne dans pays, c'est mouvement grève là qui la cause et il souhaitait gagner disposition qui prend bon côté autorité yo pour résoudre la crise. N'a pas appelé son deuxième phase qui t'en met puisque employé dans pays yo t'es déjà t'en met yon première phase grève, yo t'y ba yon deux mois, yo pas jam payé encore. Yo t'en met yon deuxième mouvement grève, n'a l'idée pour capable m'a dire plusieurs mois à rayer de salaire. Nous avons rencontré un ministre avec la le 12 mai dernier. Nous avons fait une proposition de team excellence. Alchita dans son conseil des ministres. Et comme étant donné qu'il puisse passer entre population et institutions étatiques, il y aura une dette pour EDH qui puisse passer 15 milliards de gouttes. Comme l'État sale doit EDH à environ 7 à 8 milliards de gouttes, pour nous maintenant, dégageons majorité au niveau des ensemble ministère et institutions étatiques qui doit EDH là. Au moins, nous avons un fonds qui évalue à 1,5 ou bien 2 milliards de gouttes, laisse ça, ou t'as baillé des assis, et des assis, t'as permis de non seulement faire payer au lit, et puis ensuite, t'as capable garder ses castiques avec matériel. Bon, le ministère de Dine Bagne problème, il va le travailler sur question ça, et la bonne réponse. Il était très favorable par rapport à la proposition, ça ne fait là. Alors, faut que nous, de ça, peine de faire ça, c'est parce que, et des assis, pas de jambe qu'on est, pas de jambe sous payroll, le ministère des Finances. C'est toujours subvention qui déconne bail au niveau carburant. C'était des assis, c'était qu'on dégage comme Jean-Jacques, pour lui payer emploi, et lui, mais comme une grave crise pays a eu la fonte ces derniers temps, depuis un bon bout de temps, tout, pas gagné, gros problème facturation, gros problème et recouvrement, zone de non-droit, avec toute ville professeur, tout, faut que nous disons, pas gagné l'argent qui est rentré parce que pas gagné carburant, ça vient de rendre que les déages vivent dans une situation difficile, de mal en pire, à une compliquée. On y a maintenant, et depuis environ deux semaines, gagné une menace, et par emploi et religieux qui dit que, il n'y a pas écarté possibilité pour recamper, parce que, non seulement tu étais 3 mois salaire, je te dis à bail ou pas bail, mais entre temps, tu étais dans le mois d'avril, l'hiver, mois de mai, il fait 4 mois, mois de juin, il fait 5 mois. Actuellement, qu'on est à nous, en mois de juillet, ça fait que, l'hypoco est totalement de 6 mois, mais tout mois commence à être parce que, un bon temps, c'est que c'est pas 15 ans de compte payé, nous, pas payé, pas 15 ans encore, c'est pas moi, par rapport à une situation, c'est compliqué, pour, et toujours qu'on retard au niveau payroll là. Ça fait que, l'employé de l'idioté dit que, il a passé à l'action, nous-mêmes, nous te prenons le devant, pour nous sonner, tirer, et sonner d'alarme, non, pour nous dire, gouvernement, allez vite, allez presser, pour situation ça pas privée là. Et c'est ça que fait, nous, ouais, que, depuis vendredi, 30 juin, mon déclenchement général, mon circuit qui déclenche une sous-station qui est dans sous-station à travers la capitale là, zone métropolitaine, il provoque mon déclenchement général et comme étant donné M. Péligio, il était déjà annoncé qu'il s'est fait, eh bien, il constate que le déclenchement n'a pas entré dans le processus qui peut permettre à redémarrer la centrale là pour capable produit, et c'est ça qui cause, je nous dis à gagner, nous, et à le travail, côté que depuis vendredi, égal, nous, à 0 mégawatt. Gagné Dominique Saint-Éloi, une responsable, CNOA, qui a fait qu'on est que, à cause intérêt personnel, qui voulait diviser secteur ouvrier. Syndicaliste critiqué ministre affaires sociales là, qui passe suspendre une fouée boucherie, dans causé syndicat, yo, qui dans secteur ouvrier. Ça qui s'y met en pile poivre dans mi temps yo. En côté Dominique Saint-Éloi. À grand étonnement hier, bon journaliste qui relé, me dit contacté son groupe yo estimé yo wè ki CNOA gagnen yon projet budget qu'il te voyé by l'État haïtien. Moi dit le mandin si c'est moi qui signe. Moi dit oui, nous signons protocole d'accord. Si toutefois moi envoyé sous email ministre affaires sociales là, moi envoyé sous email monsieur Paul Henri Voltaire qui c'est directeur général Faes là. Me dit contacté vie sous toutefois Noël Balari parce que nous pas accepté ingérant, moi des gérants avec discrimination, imposition que le ministère des Affaires sociales a fait. S'il sortit, assurément, c'est le ministère des Affaires sociales qui mettait le lieu. Donc nous-mêmes, nous acquisons le ministère des Affaires sociales là, qui prend un document qui est au de nous faire, vous et Bali. Donc ça veut dire, comme c'est nous son piège de comprendre ce que nous devons faire pour prendre ces NOA. Donc nous-mêmes, nous avons dit qu'on s'accueille avec la population. Hein. Oui, nous signons un protocole d'accord. Si vous, ministre, envoyez, premièrement, pour le ministre, il y a rencontre qui est là, la décision qui prend, faut qu'il soit capable de blaguer pour tout corps d'accord à tout, qui est un côté le signe ensemble avec l'organisation du Gaïo, pour vous y avoir des joints de cobla. Mois de juin, jusqu'à présent, il y a 25 000 gouttes dans le mois de mai. Mois de juin, il n'y a pas supposé 25 gouttes, il n'y a pas bailli dans le mois de juin. Mois de juillet, il n'y a pas supposé 25 000 gouttes. Et mois août, septembre, jusqu'à mois septembre avant l'année fiscale l'arrivée, faut que chaque ouvrier dans le secteur textile là, t'as supposé bénéficier. Et non, pas de différence syndicale qui a choisi aucun montant. Pour éclaircissement, c'est pour si tout vous ouvriez révoqué, qui vous êtes prêt à le bail, moyen ça y est avec syndicat, pour passer pour vous. Parce que il y a un ouvrier qui est révoqué, il n'y a pas qu'à tourner dans l'usine toujours. Nous ne connaissons pas ce qu'il a dénoncé. Mode d'ingérence là fait toute question syndicale, qui est-ce qui va aller dans
dans Caros avec CSF et mode de rencontre secteur syndical là a fait et comme si nous pas dit puisque nous pas d'accord mode pour rencontre fait sans tout secteur pas au courant donc nous même nous pas d'accord en fait en battable faut gain clairvoyance dans toute bagaille faut que tout monde au courant mais qui type engagement organisation syndicale a prend dans bénéfice ouvrier affaires sociales ils sont-ils gain problème membre CSF avec membre Caros by l'état haïtien gain une série de intérêts mesquins qui a dégagé en dans série de organisations syndicales yo ta vle que c'est monde pa yo pour voyer représenter travailleurs qui sont ministre affaires sociales là les finances collectives famille direct affaires et ministre affaires sociales là ministre affaires sociales là ta remet ses propres familles présents dans Caros là donc ça veut dire combien d'où c'est à nous mêmes nous parler là qui fait ouais gagner au fond division donc ça veut dire son conflit d'intérêts. Gen syndicaliste Télémaque Pierre qui estime c'est intérêt mesquin qui la cause bouche l'ouvri ça yo. Li pa li dit qu'on est, li fait qu'on est, li pa gagne pour lui avec parole cap pour comme quoi syndicaliste dans secteur ouvrier a besoin l'argent dans quoi subvention qu'il a pour capable accompagner ouvrier dans secteur textile. En côté Télémaque. Tout est bruit qui a couru dans radio sur réseaux sociaux comme quoi tu as gagné et problématique entre syndicat nous même nous pas au courant dans des problèmes ça parce que nous pas concernés dans ça qu'a discuté sur question comme quoi tu as gagné des syndicalistes qui mandaient ministère affaires sociales et affaires en quantité millions de gouttes dans corps accompagnement social ouvrier nous même c'est défense intérêt ouvrier n'a fait nous même n'a été campé bon côté ouvrier et c'est ça que nous avons partagé des documents avec vous pour nous qui démarche que nous même nous fait bon côté responsabilisme bon côté l'état pour qu'il soit capable bail ouvrier accompagnement social ça n'a pas demandé je dis c'est monde qui révoqué nous était déjà sous liste les aller dans usine dans pas bail comme là ça n'a pas demandé c'est pour que patron bail ensemble preuve que ouvrier européen yo bail comme là et c'est dans ça nous inscrit nous je dis nous même nous pas rien pour avec bruit qui a couru comme quoi monde demandé nous même nous pas aucun document que nous t'ai signé voyer demander comme l'argent accompagnement social si que et comment ou bien des syndicalistes qui t'a fait ça, c'est eux qui ont pour répondre à une question ou clarifier pour comment ils ont fait dans un code qui a dit à bas ouvrier, ils ont demandé une quantité de millions dans le cadre et processus accompagnement social. Nous-mêmes, nous clairs, à beaucoup de ouvriers nous camper, nous avons été campés là jusqu'à ce que les ouvriers continuent de joindre l'accompagnement social là. Et ça fait deux mois, moi, juin, juillet, jeudi, nous avons demandé l'État à travers FAES prendre disposition pour nous capables de joindre et rescope accompagnement social là. Processus pour choix, membre. CSS avec Caros. Nous capables de dire qu'il y a une polémique entre syndicats ou bien syndicats ou pas qu'à entendre sous choix. C'est parce que ensemble syndicats qui dans le secteur, ils n'ont pas travaillé en premier. Parce que je dis ça qui vivait. Nous connaissons depuis 2017 pas vraiment de CSS, même si c'est un CSS qui était monté, qui n'a pas reflété la réalité du travail. Et nous avons contesté, nous avons désapprouvé CSS. Et encore, dans plusieurs réunions qui fait pour te choisi membre CSS yo nous te wè syndicat yo te plus ap crab corps yo pa vle voye membre représenter CSS la parce que gen on ka fou ki yo t'ap tande yo tout ap gonflé yo besoin aller dans Caros c'est Caros qui est plus moyen pour fonctionner et ça fait que yo tout yo désintéressé pour voye moun dans CSS nous même nous pas d'accord voye anken moun dans CSS à Caros mais lorsque nous wè bagay la traîné et conséquence dans ce travail yo cap sibili nous te prend courage nous à demain nous pas même vle présent dans réunion côté a fait choix mais hier nous t'est allé pour que nous t'est faire valoir point de vue nous et dans réunion ça dans réunion les ont offert nous pour que nous t'est voyer un représentant dans Caros nous même nous t'est dit nous t'a pas voyer un monde pour débloquer situation et pendant ce temps et nous ouais que retourner avec un certain Pierre Joseph Polycap et qui pas réglé rien depuis 2017 dans Caros là ça fait que nous t'est tiré pied et nous t'est comprendre mal nous t'a pas d'accord et choisi et Polycap pour aller représenter travail Polycap depuis 2017 dans conseil CBS Aléa. Il va jamais rencontrer syndicat yo. Il va jamais parler avec syndicat yo. Nous va comment pour Polycap ça capable de représenter nous dans l'autre conseil CBS Aléa encore et en 2023. Pour cette raison ça, je dis a pas de choix qui fait parce que monsieur yo nous veut quand même arriver dans question choix pour moi et monde dans Caros et sous question CSS là déjà pas gain entente, ça fait que pas de choix jusqu'à présent qui fait pour conseil CBS Aléa. Dans l'occasion 11 l'année existence CSPJ, maintenant Yodelcy te profite tourner sur l'importance institution sa gain pour le système justice. La coupe a semé dans la magistratie. Cependant, maintenant Yodelcy critique CSPJ qui pa bay aucun juge yo pousse de yo droit pour yo défendre tête yo.
Avocat dit la bien position expert indépendant Nations Unies pour droit monde William O'Neill qui t'est parlé dans sens ça dans quatre visites qui t'est fait. Maintenant Yodelsi pour comme exemple juge Ralph dimanche pour ses dans dernière certification c'est si pas même bal droit pour le défendre en côté maintenant Yodelsi. Moi vraiment applaudi position expert Nations Unies hein? Pour quelle raison? Parce que ces positions ça a que moi-même Mario Delcy moi gagné depuis environ 2 ans dans le pays. Moi dis que certification oui, mais ou pas capable mener une enquête et que c'était ses bail, que c'était ses mener et puis CSPJ l'y ratifier ou bien l'y désapprouver et à ce moment-là ou imposer à magistrat yo et ou pas même by magistrat yo et possibilité pour yo exercer une voie de recours. Moi penser que avec intervention expert ONU sous question droit de recours que tout magistrat doit gagner lorsque gagne un rapport de non certification que conseiller CSPJ yo entériné et me penser que droit ça c'est un droit constitutionnel, c'est un droit que tout citoyen gagne lorsque ou accusé li ou reproché li de yon fait pour que li capable bay opinion li. Mbral ba nou yon cas sans pa vle faire trois personnalités. Il y a le doyen Lionel Ralph Dimanche. Le doyen Lionel Ralph Dimanche qui c'est yon magistrat et qui nan système nan depuis 1995. Et magistrat ça, il pas jamais recevoir une lettre de blâme depuis 1995. Voilà que CTC qui dans CSPJ dit yo mené une enquête et yo invité magistrat une seule fois, yo tande li sous des faits complètement séparés de ça que yo mettait dans rapport certification. Rapport certification ta va faire qu'on est que le magistrat son exemple ba nous gen l'autre exemple encore le magistrat Lionel Ralph Dimanche li ta va et yo pa ta certifié li et mkwa nan motif la yo mette pour des cas avérés de participation à des actes de spoliation. Mesdames et messieurs les journalistes, spoliation mkwa tout en tribunal nous entendez parler de spoliation. Gagner spoliation lorsque yo déguerpi yon moun par yon jugement sou yon terrain nan yon kay etc. et après ça moun nan de plein chef li de propre gré li sans pa gen l'autre jugement qui réintégré li décider li retourner sous propriété ça et nan ka doyen dimanche nous comprenons son droit qui est en fonction et m'ta trouvé très très mal que yo ta va déguerpi yon doyen. Et puis pour lui-même, pour ne pas exercer voie de recours, pour ta retourner sous propre chef. Li. Alors que ce même doyen lui déclarait que il n'a pas jamais posé la question sous question, il a bien que il va déguerpir lui sous lui que l'État retourné. Alors que dans le rapport CSPJA, c'est-à-dire dans le rapport de non-certification, il mettait que doyen ancien doyen li participer dans des cas de spoliation. Maître Mario Delcy rappelé si SPJ te recevoir en pile critique après certification sa yo. En pile moun kwè gen conseiller k'ap régler les affaires personnelles yo nan dossier ça. Donc si on chance CSPJ gagne pour laver tête li nan causer ça. CSPJ en doit remettre magistrat victime yo tout document qui pouvait sa yo reprocher yo en côté maître Mario Delcy. Moi pense que c'est yon moment qui offri pour que CSPJ qui a fait en principe yon travail qui appréciable lorsque y a tenté épurer système judiciaire là de mauvaises graines. Cependant, nous pas ta remen pour que gen abus qui fait, nous pas ta remen pour que gen moun qui victime parce que gagnen des moun qui gagnen velléité pour yo pas des moun qui dans système nan pour yo dans système nan toujours et dans sens ça me penser que meilleure façon pour que CSPJ coupe court à toute critique sa yo, notamment à critique expert Nations Unies, c'est que yo permette, ne serait-ce recours interne, que magistrat, que yo pas certifié yo, yo exercer yon recours interne, et yo même, yo bay magistrat tout le temps, accompagné de avocat yo, pour que yo défende
rapport là et mandé tout pour communiquer magistrat pas certifié yo rapport de non certification. C'est vraiment absurde. C'est un bagage que nous pas capable de comprendre que yon juge qui appelé pour libal justice, pour libal justice en des citoyens pour que c'est lui-même qui gagne ne serait-ce la perception que il a fait lui injustice. Pour qui raison fait que si CTC lui fait un rapport sorti contre un magistrat, CSPJ entériné rapport ça. Yo pas certifié magistrat. Mais c'est quoi l'économie de la conservation d'un tel rapport et le refus catégorique de communiquer ce rapport à magistrat que ou pas certifié. Mais vraiment pas qu'à comprendre parce que il y a le Conseil canadien de la magistrature au Canada, gagné en France, même système, non? Lorsque vous pas certifié un magistrat, vous supposez communiquer le rapport de non-certification, hein? Et même mandeli ce qui s'allie penser de rapport là, s'il gagne des remarques que lui capable de faire avant même que vous rende rapport final là. Je souhaite que monsieur CSPJO, il a vraiment prend remarque ça en considération et que il a permettre chaque magistrat qui pas certifié, excusez-moi, il a permettre que magistrat ça yo capable exercer ne serait-ce recours interne pour que yo gagne possibilité pour yo faire valoir remarque yo considération yo sous rapport de non certification yo. Merci. Maître Mario Delcy quoi gen nécessité tout pour passer men en barreau si tout barreau Port-au-Prince qui chargé à avocat qui pas fin clair qui gen faux papier barreau a duré dans ce travail ancien bâtonnier d'Orval te commencé à organiser vetine dans barreau Port-au-Prince en côté une autre fois maître Mario Delcy. On croit que gen pile journaliste là qui a pris entrevue dans même depuis des années tout le monde connaît et mon frère mon confrère feu bâtonnier d'Orval, il était gagné un rêve pour Barreau de Port-au-Prince. Et rêve ça, je pensais que rêve ça, il n'y a pas de doué camper. Rêve là, c'est qui ça lié. C'est que Barreau de Port-au-Prince, nous épurer lui. Nous épurer lui comment? C'est là nous t'ava procéder à ça les vetting des avocats, que nous t'ava faire ça les certifications des avocats. Nous connaissons que pratiquement pendant les 10 dernières années, tout jeune avocat qui est dans le barreau de Port-au-Prince, il est certifié automatiquement. Pour quelle raison? Parce que le bâtonnier d'Orval et ses prédécesseurs, tant en coup maître Gervais Charles, OK, maître Rigaud Duplan et bien d'autres bâtonniers, nous t'es institué, ça aurait l'école du barreau, et ajouter à cela, lorsque un monde pour rentrer dans l'école barreau, il est obligé de mener une enquête sur. Enquête là, elle est basée sur qui ça? Il y a une enquête de proximité qui fait, bon la caillou, pour yo connaître est-ce que c'est pas un nègre qui te connaît voler bœuf moun, c'est pas un monde, une femme qui te connaît faire mauvaise affaire, que n'a vu mettre dans le barreau. Ensuite, le que postulant, il dépose diplôme ni, eh bien, nous fouiller pour nous chercher qu'on est bah on va fouiller pour chercher qu'on est-ce que diplôme ça c'est vrai diplôme ou bien est-ce que c'est faux diplôme. Tout le monde qui là connaît que dans le pays d'Haïti il y a un pile avocat qui a fonctionné avec faux papiers et nous pensons que moment li opportun pour que bah on relance travail que bâtonnier d'Orval l'étape fait que moi-même comme président pour la protection des avocats en danger, non, Baosa, moi t'ai appuyé à 100% pour que Baoa, enfin, notre bâtonnière, qui est très, très courageuse, ainsi que les autres membres du conseil, pour que Yota va relancer processus qui voulait que vraiment, Jean-Noël, profession, li commencé à dégrader, surtout dans la juridiction Port-au-Prince. C'est le moment opportun pour que nous t'avons relancé question et certification de tous les avocats du barreau
a commencé à la traka pour la vekaïté papa dans pays ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, moi dis merci parce que vous t'avez suivi avec attention et merci pour fidélité ou ak patience ou moi pour aller m'a quitter ou nombre papa mon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas me c'est Foucault, rendez-vous cassé talé comme ça pour une autre vidéo. Bisous bisous. Mwa, mwa. One love. Merci ensemble avec tout staff là qui t'ai rendu et programme ça possible matin et non seulement ça tout, il y a un remerciement spécial ensemble avec Sévère. Bon la journée ensemble avec toute fanatique. N'a croisé, t'allais comme ça.